Je pense que pour le moment, c'est un petit peu le seul espoir qu'on ait. Donc si ça peut faire quelque chose, il faut essayer. Il faut qu'il y ait des gens qui testent pour savoir si ça fonctionne, si c'est le bon traitement adopté ou non. Donc s'il faut, on est là, on teste. Comme Léa, ils sont des centaines à attendre et à espérer devant l'IHU de Marseille. Ici, les équipes du professeur Raoult proposent des tests de dépistage à ceux qui le souhaitent. C'est pas possible, il faut que mon angoisse parte et qu'ils me disent si je suis positive, qu'ils me traitent ou si je suis négative, ben je reste confinée, je reste à la maison, je fais un droit de retrait ou je ne sais pas, je verrai avec mon travail ce qu'on peut faire. Mais là, c'est pas possible. Les personnes infectées sont traitées par chloroquine en association avec un antibiotique. C'est le cas de la députée Valérie Boyer. Je tousse toujours et puis... On est passé d'une activité importante en une semaine à un confinement à la maison où, comme je suis chez moi toujours contagieuse, je ne fais rien. Ce matin, je suis retournée à l'hôpital pour voir où en était ma charge virale et j'attends les résultats. Sur le terrain, pour les médecins, ce traitement représente déjà une solution. À ce jour, on a 3 confrères qui sont déjà morts et je me sens personnellement concerné parce que j'ai 74 ans. Quand on entend dire que la Nuvaxine peut marcher et malgré le faible nombre de patients qui ont été testés par le professeur Raoult, c'est extrêmement intéressant, extrêmement rassurant, extrêmement prometteur. On ne peut pas ne pas prendre en compte l'efficacité de ce médicament dans la mesure où on n'a rien d'autre. Sinon, on va mettre des post-it sur les cercueils et on va mettre malade ayant échappé aux effets secondaires de la chloroquine. L'association entre la chloroquine et un antibiotique sera testée dans un protocole à grande échelle. Mais on sait d'ores et déjà qu'il est interdit aux personnes cardiaques ou souffrant d'hypertension.